Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Félix Gaming, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très particulière qu'aujourd'hui. Pas de vidéo gaming, désolé, pas de vidéo unboxing non plus, hein. Une vidéo sur mes trottinettes, deux trottinettes, une ancienne, une nouvelle. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. C'était pas voulu, je vous jure, c'était pas voulu. Je vais vous présenter une trottinette déjà qui date déjà, que j'ai acheté il y a 4 ans à 50 boules. Décathlon, hein, forcément. Bah, moi j'aime bien Décathlon, hein. Attention, c'est parti. Trottinette Décathlon, logo sur le guidon, je dérape sur ce son que cola comme boisson. Viens donc acheter tous mes produits secrets, les commandes testées, tu vas les adopter. Et voilà, c'est moi de retour. Donc, me voilà de retour. Pour vous présenter ma petite vieille à moi, elle a déjà 4 ans, elle a tenu bon. Bon, même si elle a été un petit peu bouffée par la roue, je vous la présente. Donc c'est ma petite bouffe, voilà. Bon là elle est à l'envers, elle est bouffée. Donc on peut la plier, enfin plus maintenant parce que vous pouvez voir ici, ici voilà, ça c'est cassé, donc c'est pour ça que ça marche plus. Dessous on peut voir que, attends, on peut la mettre dessus hein. Voilà, ici, on peut voir que sur les deux bordures, c'est quand même pas mal défoncé. Et sur les côtés, ça l'est carrément encore plus. Mais bon, je vais vous dire, cette trottinette, elle a 4 ans, donc elle date déjà quand même pas mal. Et franchement, je la remercie. Et franchement, j'ai bien fait de l'acheter, parce qu'à l'époque, c'était excellent, quoi. C'était Dr. Nozman, comme le dirait-il. Donc, ma nouvelle trottinette. Ma trottinette freestyle, bien sûr. Toute nouvelle. Bon, elle est un peu plus petite que l'autre. Mais bon, je veux dire, pour moi, c'est quand même beaucoup plus facile de faire de sauter et tout avec. Parce que, bon, je vous mettrai quelques images en même temps, parce que ce sera mieux, quoi. Donc, voilà. Donc. C'est une Décathlon aussi, donc une Oxylo, hein, bien sûr. Donc, comme je vous la montre comme ça. Hein. Donc là, c'est une Oxylo. Attendez. Voilà. De l'ombre à la lumière. Et voilà. Ah putain, elle est quand même. Elle pèse son poids et je sais plus combien elle fait. Bon, elle est bien défoncée en dessous ici déjà, sur les deux côtés. Et sur les côtés ici, aux extrémités, elle a déjà pris cher. C'est de quel côté? Ouais, bah de ce côté-là. On peut quand même voir ici déjà que là, ici, elle a pas mal dégusté. Mais je vous montrerai des vidéos, hein, en même temps que cette vidéo. Ou du moins, je ferai plusieurs vidéos sur ma trottinette. Et surtout sur le freestyle de la trottinette. Ouais. Donc, là, voilà. Là, c'était juste pour vous la présenter. Donc, je vais pas vous en parler, bon. Parce que ça sert strictement à rien de vous la présenter. Parce que bon, vous savez très bien qu'une trottinette, c'est une trottinette, freestyle ou pas, ça reste une trottinette quoi. Donc dans tous les cas, elle est toute neuve, elle a une semaine et demie. Enfin, elle a une, deux semaines quoi. Donc j'aime bien. Donc aussi, je voulais vous parler de. Prochainement, il y aura. Enfin, sur ma chaîne prochainement et sur ma chaîne secondaire. Alors déjà, sur ma. Chaîne principale, il y aura un unboxing Amazon plus une dégustation avec ma soeur. On va faire dégustation américaine. Il y a plein de bonbons américains là-bas et je pense qu'on va se faire une dégustation parce qu'elle m'a fait ouais, tiens, si tu veux, vas-y, on va y aller. Ça peut être sympa, il y a pas mal de choses à voir, c'est marrant. Donc, je fais ok. Bon bah, on est parti voir, j'ai goûté un Twinkie. Et Twinkie à la vanille, je crois. Et puis, oh là là, c'était trop bon de ouf. Oh là là, moi je vous jure, c'était une tuerie de la mortitude. Bon, trêve de bavardage. Moi, je vais vous parler maintenant de ma deuxième chaîne. Donc, qui ne sera plus Hipflix Montage, je crois. Et ce sera Hipflix ASMR. Car, si vous ne le saviez pas, bah normalement vous ne le saviez pas non plus, j'adore extrêmement beaucoup l'ASMR. J'ai une chaîne qui est abonnée qu'à des gens ASMR pratiquement. Et franchement j'adore. C'est pour ça que je voulais m'y mettre aussi. Parce que j'ai commandé sur Amazon
qui devrait arriver normalement la vidéo peut-être dans un mois et demi, donc je ne sais pas. Oui, elle va tarder un peu, je suis désolé. Elle va arriver peut-être en octobre ou septembre, ça dépendra un peu de comment ça se passe. Et puis ben. Mais j'espère que je pourrai la prendre très tôt, du style le mois prochain, donc ça veut dire là on est en août, donc en septembre. J'espère vraiment le faire le unboxing déjà pour septembre, et peut-être la dégustation pour plus tard ou je sais pas quand, donc voilà. Donc pour ma chaîne secondaire, je vais préparer ça très prochainement aussi. Donc je commencerai les vidéos à partir de 2-3 semaines, à partir de cette vidéo. Donc avec mon téléphone. Donc la qualité audio ne sera pas terrible, mais bon, on fera avec ce qu'on a quoi. Un peu comme en ce moment. Sauf que on va faire un petit truc assez sympathique. Je vais essayer de me trouver un truc. Bon, on va pas faire vendeur de jeux vidéo parce que bon, il y en a des cinquantaines sur YouTube quand même déjà, des vidéos, donc ça servira à rien. Donc je vais essayer de me caler un petit truc. ASMR, unboxing et dégustation. Et bien sûr, en top du top, la trottinette. Ouais. Et c'est maintenant que je vais vous passer quelques extraits que j'ai fait au skatepark. Et voilà quoi. Bon. Encore avec moi une spinner. Donc là maintenant, on va partir à ce moment-là sur nos trottinettes. Donc là, je vais commencer à vous mettre déjà quelques petits extraits. Quelques petits extraits. De moi, plus une petite connerie que j'ai faite. Enfin, je me suis. Je venais de faire une figure et je me suis écrasé le pied et j'ai fait aïe aïe aïe. Enfin, j'ai fait un truc bizarre. Voilà, j'ai fait un truc bizarre. Bon, bien sûr, on n'a pas l'impression que je m'écrase le pied, mais franchement, je me roule vraiment dessus et ça fait vraiment très mal par contre. Parce que sans déconner, j'ai mis quand même mon poids sur la trottinette quand je me suis... j'ai cogné comme ça. Et en fait, bon attendez, on va dire que ça, attendez. Ça c'est la roue, ok. Ça c'est la roue de la trottinette. Et là c'était mon pied, ok. Donc là ça fait... Ouais, donc ça fait quand même extrêmement mal. Donc ça fait comme ça. Et ouais, et mon pied il est passé dessous et donc j'ai eu mal et je suis reparti tout de suite. Bon après il y a quelques petites choses mais bon. Bon après ne faites pas attention à ma corpulence, bon bien sûr tout le monde sait, je suis assez gros quand même, je suis pas slim comme ça, donc moi après je m'en fous hein. Moi je suis là d'habitude pour le gaming, pas pour me montrer moi, donc c'est pour ça, allez, ciao. Et petite chose, regardez. Ça c'est ma télé. Et regardez, si je mets ma main, c'est excellent. Franchement, j'adore. Si je l'enlève, si je recule, c'est excellent. Franchement, ouais. Donc aussi, j'ai changé mon bureau, comme vous pouvez voir. Donc j'ai plus un bureau tout pourri. Donc là, on a les deux trottinettes. Donc vous allez déjà essentiellement voir la... Je vous disais, vous allez essentiellement voir la... Donc désolé là pour la qualité, parce que là je suis sur l'autre côté de mon téléphone. Oui, j'ai une qualité plutôt pourrie comme vous avez pu le remarquer dans les vidéos précédentes. Et les bordures sur les côtés sont réduites, c'est normal. Parce que la caméra n'est pas très très large, on va dire. Donc sur ce, je vous laisse sur un joli soleil de Bretagne. Pour se retrouver sur... le skatepark. Allez, à tout de suite.